préfère dire je t'aime à une salope qu'à une connasse. Ginger Winner passe la brande à la douanette, tiens riche lasse. Dans un palace ou dans la crasse, elle a de la classe. Elle marque son territoire, tatoue les chiennes de la casse. Elle piave, elle bédave, Ginger Winner c'est pas une épave. Esclave du distant. Ouais, cool. Hier, on était en Tunisie. On a fait, on est parti à 20h30 de hier. On est arrivé là-bas à 23h. On arrive à l'hôtel à 11h30. On a mangé à minuit. À 2h, on était dans le club. On a rappelé à 3h. À 4h, on s'est barré du club. On a pris l'avion à 5h. On arrive à Belize à midi. J'ai jeté mon sac, j'ai pris les panoplies. Nous, on a atterri ici. Ça fait 2 jours que je dors pas. Je sais pas si ça va payer en plus. Ça va payer en commentaire. Mais voilà, c'est kiffant. Franchement, c'est pas mal. C'est kiffant. Ginger win, ginger win. Les gros thèmes qui remplissent les leggings. Ginger win, ginger win. Je mélange le rhum à la taurine. Trop con. Tu seras jamais un beau gosse pour les meufs. Pourquoi tu fais toujours des grimaces? Pas tant, c'est pas mortel. M2S, débrouillard, ginger win. Fais fumer la win. Ginger win. Et le 2S c'est 30, 30, 30, 30, 30. T'as fait combien c'est le dernier? Ouais, 30, mon pote. C'est bien, non? 30 en ticket caisse. Je me suis dit, ça permet d'exister au moins. C'est ouais. Pas. C'est pas. Ouais, c'est bien. Satisfait ou pas? Non. Attends, bah, quand même, ouais, je suis un peu content. C'est, je me suis fait une sorte de. Cet album, c'est une sorte de chirurgie esthétique. Tu vois, ça m'a rendu. C'est le côté gentil. J'ai ressorti le côté gentil des M2S, ma grosse. En fait, les morceaux qui, comme ma grosse, à chaque jour suffit sa peine, ils ont masqué un peu la légèreté de cet album. Parce que je ne vais pas te mentir, j'ai été bourré pendant les 6 mois de cet album. J'ai pas été. Tu vois, donc c'est pour ça, je suis pas satisfait parce que j'aurais pu faire mieux. Après, moi, à côté, à un moment, je pense à un album Lost, perdu. Donc, mais tu regrettes pas, c'est. Oh non, ce qui est fait, il y a eu des trucs marrants quand même, grosse, tu vois, il y a eu des trucs marrants. Et le prochain album, quoi, il est. Là, tu disais, c'est ton côté gentil, tu reviens méchant ou. Non, non, normal. Non, normal. Je continue. Tu m'assumes, tu vois, ça y est. Je ne veux pas faire tout le temps méchant, je suis pas méchant là-bas. Ah, voilà, quoi. C'est pareil, je pense. Ouais. C'est pareil, sauf que voilà, j'espère mieux doser le plat. En fait, c'est des plats que tu fais. Des plats que tu fais, tu les proposes. Soit ça plaît, soit ça plaît pas. Je pense que j'ai mis trop de sel dans le dernier. Trop de, je sais pas, dès le plat, il était un peu. Ben quand même, 30 000, quand même, ça a plu à beaucoup de gens, quand même. 30 000, c'est bien aujourd'hui, 30 000. Franchement, bien. Tu vois, quand je vois, quand je suis dans la rue, tout ça, tout, c'est d'autres gens qui viennent me voir. C'est bien. Oui, c'est propre, franchement bien. Je regrette pas. En plus, même la dernière fois qu'on s'est de Rick Ross, bon, j'ai perdu les images. Mais les gens. Ah ouais. Regardez les images, monsieur. Ça se trouve, c'est un vieux breton, il a ton truc, s'en fout complètement. Non, mais ouais. Mais quand même, les gens, ils ont suivi quand même. Quand t'as balancé Amnésia, à chaque jour, suffit à peine ma grosse. Les gens, ils ont suivi. Ah ouais, franchement, j'étais agréablement surpris. J'ai kiffé. Tu vois, la scène a été bien. Bon, c'était un peu court, 25 minutes, les gens. 25 minutes. Ouais. C'était 25 minutes, c'était mon premier truc. Mais là, tu vois quand même, là, c'est la première fois, comme tu tombes bien en radio, quand même, je crois. Avec le dernier album, c'est la première fois. Et là, t'as vu la diff. Ouais. Donc, tu vois. Ça veut dire que hier, j'étais encore en Tunisie. Tu vois. Alors j'ai vécu plus longtemps que sur les autres 10. Les mecs, les tubes, ça paye. Non, mais ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien de faire. Franchement, c'est bien de faire des tubes. Ouais. C'est bien, c'est agréable. Et là, parce qu'il y en a, tu sais, ils sortent des albums, ils disent non, je fais pas de tubes, je fais un truc comme ça.
C'est calculé quand même de faire des tubes. Bien sûr, c'est calculé. C'est pas calculé. En fait, c'est pas une recette. T'as pas la, ouais, y a la pas de recette. Ouais, y a si t'as la recette, ce serait trop tout le monde la ferait, ouais, pour lui, tu vois. Bah oui. Mais c'est bien d'avoir l'intention au moins, tu vois. L'intention, ouais, de se dire que, ouais, tu vois, je vais mon rap, il va te passer au plus pisse, 9-4, tu vois. Et là, dans le prochain album, il y a des morceaux potentiels, d'être des tubes, d'être des. Dans la lignée, je sais pas. Moi, j'ai pas calculé ça, j'ai pas. En fait, dans ma tête, je me suis pas dit, je peux refaire, je cours pas après à chaque jour que ce fils appelle. Sinon, c'est une course sans fin. Tu vois, c'est. Je suis pas prisonnier de ça, tu vois. Je me dis, je peux faire mieux, peut-être je peux faire dans d'autres styles différents. Tu vois, mais je veux pas passer ma. Je me suis pas dit, ouais, ah, je vais refaire un autre à chaque jour que ce fils appelle, c'est naze. Tu rappes et. Je fais. Il y a ça dans un coin de ma tête parce que quelque part, tu vois, ce serait stupide de pas se le mettre dans sa tête. Et voilà, tu vois. Ouais. J'espère l'avoir. Ouais. Je suis pas trop calculateur. J'espère l'avoir dans la fournée que j'ai faite. Tu vois.